Eh bien, salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les sécu. Aujourd'hui, on va aller épandre de l'engrais. Donc, c'est parti. Donc, avant, je dois remplir l'épandeur engrais. Je vais aller chercher un fond d'engrais. Donc, j'ai pas pu prendre la mini John Deere là parce qu'ils sont actuellement en train de s'en servir. Donc, ils sont en train de ramasser de la terre avec. Donc, j'ai pas pu la prendre. Mais bon, une Josquin, ça fait quand même l'affaire. Donc les amis, j'ai pris le Fendt parce que vous m'avez demandé de le prendre. Hein. Et j'ai un abonné qui m'a demandé de prendre plus souvent quand même le JD. Donc c'est vrai que je ne le prends pas tout le temps, donc je vais le prendre plus souvent. Donc voilà, donc là on va épandre avec le JD. C'est parti, donc ça c'est une vis. Bon, moi j'appelle ça une vis en gros. C'est un système de... En fait c'est comme une vis. C'est comme si on avait une vis à l'intérieur et ça tourne. Et ça fait monter l'engrais, c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà. Pour les vrais, ils doivent s'y connaître quand même. Hop, donc c'est parti les amis, donc j'ouvre l'épandeur, non je vais le relever parce que sinon il va y en avoir partout. Je mets la vis dans l'épandeur et j'ouvre un peu la benne. On en rentre, on passe la vis par là, la petite trappe, mais bon elle ne peut pas s'ouvrir parce que c'est une fausse trappe. Donc voilà, c'est pas grave. Attendez. Hop. Bon, voilà, on n'a qu'à dire que ça remplit. C'est vraiment bizarre quand j'ai rempli. Voilà. Ouais, donc les amis, je retrouve une fois que j'ai fini de remplir. Eh bien, les amis, donc j'ai fini de remplir. On en avait vraiment besoin, il n'y a presque plus rien dans la benne. Bon, c'est imaginaire, mais voilà quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le tout. La vis, je vais la remettre là-bas. Donc, elle est coriace. J'ai la peine de bouger. On va bouger. Hop. Donc, les chevaux, bah, voilà, ils sont toujours là. Hein. Ils attendent. Donc, la Josquin, je vais la laisser ici. Je dois la laver. Car l'engrais solide, c'est juste hyper corrosif. Ça attaque tous les métals. C'est juste impressionnant. Bah, l'année dernière, j'ai perdu une benne à cause de ça. Je l'ai pas lavé. Et bah, l'engrais a attaqué le métal et ça a tout rouillé, etc. Donc voilà, c'est pas une bonne idée de ne pas la laver. Donc voilà, les amis, moi je la lave direct dès que je rentre de l'épandage. C'est pareil pour l'épandeur. L'épandeur, avec moi, il tient pas une journée, hein, je vous dis. Hein. Si vous le lavez pas, c'est sûr qu'au bout de. Si vous l'utilisez pendant une semaine, au bout d'une semaine, il est mort. Ça, faut absolument laver l'épandeur. Voilà, donc c'est parti. Donc là, on va épandre. Hop. Donc c'est pas un champ énorme, mais c'est un champ qui réserve de bonnes surprises parce qu'il est inondé. Mais j'ai été obligée de le faire. Donc ça, c'est du colza hein, qu'il y a là-dedans. Enfin, il est inondé, comment vous dire ça? S'il n'y a pas de l'eau qui ressort, mais il y a de la boue. Et la boue, c'est chiant. C'est chiant de passer quoi. Donc, le colza là, il faut vite que je le traite avant qu'il soit foutu. Donc j'aurais préféré faire ça au massé parce qu'il a des fines roues et donc du coup il passe mieux. Ça détruit moins les colzas. Mais bon, je voulais quand même faire plaisir pour le JD. Donc voilà. Voilà quoi, c'est chose faite. Hop, donc s'il y a une masse de. Ça c'est une masse que j'ai créé moi-même de combien je crois 1500 tonnes. Non, pas 1500 tonnes, je suis un fou. Non, 1500 kilos, pardon. Donc cette masse-là, elle est faite pour le labour et j'ai oublié de l'enlever, donc il faudrait peut-être que je l'enlève. Parce qu'avant j'utilisais ce JD pour le labour, mais vu comme il est très vieux, bah il ne sert plus trop pour le labour. C'est plus un petit balai de ferme. Donc je vais bouger ça pour pouvoir le ranger, les pendeurs. Hop, je retrouve une fois que j'ai tout rangé. Voilà les amis, donc j'ai tout rangé. Donc ce qui est pour le casse, bah, il est bien au chaud, hein, voyez, vous inquiétez pas. Hein, je le chouchoute très bien, c'est presque mon tracteur favori. Mais bon, c'est tous mes tracteurs favoris, hein, je les adore tous. Voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like et dites-moi dans les commentaires ce que je pourrais créer d'autres comme vidéo. Donc voilà, allez, tchuss!